La vidéo d'aujourd'hui sera chaude. On va casser les Ça papeaux. sera Togo vs Sénégal. Avant de commencer, laissez-moi me mettre bien, s'il vous plaît. Un petit parfum. El Nabil, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bon, le thé est chaud. Le thé est chaud. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Coucou tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, si vous me voyez ici, c'est que ça va. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience de mon séjour à Dakar. J'ai voyagé certes dans plusieurs pays du monde, mais c'est la deuxième fois que je passe un long séjour dans un pays différent du mien, mon pays d'origine qui est le Togo tout simplement. J'ai vécu en Éthiopie pendant 4 ans, puis récemment au Sénégal pendant 7 bons mois. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les faits d'un point de vue d'une Togolaise pour être un peu plus objective. Si vous envisagez venir vous installer à Dakar, voici ce que vous devez absolument, mais absolument savoir. Le Sénégal est un très beau pays, très coloré, très dynamique, mais aussi très, très cher. Si vous venez pour du tourisme, ça passe crème, sans souci. La façon dont on dépense en vacances est forcément différente de quand on vient s'installer dans un pays. Parce que le but quand on vient s'installer, ce n'est pas de se ruiner, bien évidemment. Les loyers sont hyper chers. Pour louer une chambre et un salon à Dakar, vous êtes bien au-delà des 100 000 francs CFA. Hein. Et encore, ça dépend du quartier dans lequel vous vous installez. Généralement, la fourchette que vous allez trouver, c'est entre 120 à 180 000 par là, même parfois 200 000. À Lomé, vous avez au moins un 3 chambres salon avec ce budget-là, tranquille. Pour l'avance, vu que le loyer est déjà très élevé, il ne demande que 4 mois de loyer, dont un mois pour le premier mois de la location, 2 mois pour la caution que vous récupérez quand vous voulez partir, plus un mois de loyer qui revient à l'agence qui vous a aidé à trouver le logement. Contrairement au Togo, où on demande parfois jusqu'à un an de loyer, mais vu la différence qu'il y a entre les loyers de ces deux pays, au final, se retrouver à payer un an de loyer finit par être moins cher. À Dakar, il n'y a pas de taxi-moto, communément appelé Zimidjan. Les taxis officiels sont tous de couleur jaune et sont hyper chers également. Heureusement qu'il y a Hitch et Yango, des applications de taxi qui proposent généralement des prix un peu plus bas que ce que proposent les taxis jaunes. L'avantage, c'est que le chauffeur sait déjà où vous allez. Ça évite les disputes en cours de trajet ou à destination. Pourquoi les disputes? Déjà, il y a la barrière de la langue. La majorité des taximans parlent Wolof. Et quand vous demandez à vous rendre à un endroit, ils vous diront OK, même s'ils ne connaissent pas l'endroit. Après, ça se finit toujours en queue de poisson. Avec les applications, vous ne parlez pas. Tout est écrit. Vous commandez votre taxi sur l'appli tranquillement. Le chauffeur arrive et vous amène à l'endroit indiqué. Je vous conseille vraiment de télécharger ces applications-là pour les premiers jours de votre séjour à Dakar. Il y a également d'autres moyens de transport, hein. Les moyens de transport communs, notamment les clandos, les bus, communément appelés tata, dont les prix sont très très abordables. C'est des moyens de transport communs où il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du bus. Mais déjà, il faut avoir une certaine maîtrise de la ville ou être accompagné de Sénégalais qui maîtrisent parfaitement la ville avant de s'aventurer dans ces moyens de transport-là. Au marché, exigez toujours d'avoir les prix avant de regarder trop plein d'articles. Sinon, vous allez perdre du temps et vous énerver au final. Les commerçants au marché ont une stratégie. Je dis stratégie parce qu'au final, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font en faisant ce dont je veux vous parler. Là, je ne parle pas de produits alimentaires, hein, mais plutôt des habits, des articles de souvenirs, surtout au marché Sondaga. Dès que vous arrivez et qu'ils vous montrent un article qui vous intéresse, faites tout pour avoir le prix dans les quelques minutes qui suivent. Comme ça, vous allez gagner un temps. Si vous n'êtes pas intéressé par le prix, vous tracez votre route. Sinon, ils vont vous montrer au moins 10 articles, voire 15 exemplaires, en vous promettant de vous faire des bons prix. Après avoir pris le temps de tout regarder et parfois même d'essayer les habits, ils vous donneront un prix, mais vraiment exorbitant par rapport à ce que vaut l'article. C'est limite ridicule. C'est sous long, quoi, en fait. Je pense donc qu'ils font ça en se disant que si la personne est vraiment intéressée par l'article, en la fatiguant par les essayages et tout, au final, elle n'aura même plus la force de vraiment débattre ces articles. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, divisez toujours les prix qu'ils vous donneront par deux. Et même parfois par trois. En tout cas, négocier, négocier, négocier. N'achetez jamais sans négocier. Tout ce qui est relatif à la mise en beauté de la femme,
est cher. Vous le savez, hein, la femme sénégalaise, elle est très, très, très coquette. Je vous donne un petit exemple. Des locks. Moi, j'ai des micro-locks sur la tête, près de 250 à 280 locks comme ça. Pour faire le resserrage, qui me coûte généralement 10 000 francs à Lomé, à Dakar, le resserrage commence à partir de 25 000 francs. Je dis bien ça commence, hein, parce qu'il y a des frais supplémentaires. S'il y a trop de repousse, s'il faut faire un jampon ou s'il y a réparation des locks. En passant, si vous êtes à Dakar et que vous voulez vous faire entretenir vos locks, je connais une locticienne qui pourra bien vous le faire à un prix abordable. Elle coiffe chez elle ou chez le client. Donc ça dépend de vos disponibilités. Vous vous mettez en contact avec elle et ensuite vous allez décider. Je vous laisse sa page Instagram juste quelque part par ici. C'est Dams House. Voilà, si je prononce bien, c'est Dams House. Elle est aussi maquilleuse professionnelle. Donc contactez-la, vous pouvez faire de bonnes affaires avec elle. Au final, c'est avec elle que je me faisais refaire les reprises tranquillement. Pour la petite histoire, j'avais des extensions, des mèches sur mes locks avant d'arriver à Dakar. Quand je voulais les retirer, j'ai demandé combien ça allait me coûter dans un salon. Elles m'ont dit 25 000 francs. I was like, ok, all right. Juste pour retirer les extensions de mèches sur mes locks, j'ai tracé ma route. Une nuit, je me suis posée tranquillement. En 2 heures de temps, j'avais déjà tout retiré toute seule. Et basta, 25 000 francs empochés. Voilà. Ah bah. J'étais également partie dans un salon d'esthétique pour me faire un soin de visage. Le soin le plus basique était à 35 000 francs. Franchement, moi, je vous dis, je parle du point de vue d'une Togolaise parce que j'ai jamais vu ça. Hein. Le soin le plus basique était à 35 000 francs. Quand la dame a commencé le travail, elle me dit, mais madame, vous avez des points noirs et tout ça. Je dis oui. Elle me dit direct, le soin que vous avez choisi là, n'enlève pas ça dès. Je dis, comment ça? Elle me dit oui, que j'ai pris la formule basique. Si je veux qu'elle m'enlève les points, il faut prendre la formule suivante qui est à 70 000 francs. Like, what the? Je dis, pardon. Faites-moi le soin basique seulement. Merci. Les fruits et les légumes généralement se vendent par kilo à Dakar. C'est peut-être normal si vous habitez dans certaines villes, mais ça peut être déconcertant si vous venez de Lomé. À Lomé, par exemple, pour acheter quoi, par exemple, des mangues ou des tomates, disons, c'est à l'unité ou les tomates, c'est par tas. On peut directement demander à ce qu'on nous vende un montant de tel ou tel produit. Vous pouvez dire, je vais acheter 500 francs de tomates, 200 francs ou que sais-je. Au Sénégal, ça sera généralement combien de kilos vous voulez acheter. Et tenez-vous bien, pour ceux qui raffolent de bananes plantain, d'ananas, le kilo de bananes plantain là-bas... Et à 1 500 francs et vous pouvez en avoir à peu près pour 6 bananes comme ça. Le kilo d'ananas est à 1 000 francs et vous en avez pour un tout petit ananas comme ça qui fait 1 kilo. On peut comprendre, c'est des produits qui sont importés chez eux. Donc voilà, fait avec. Au moins, vous savez, avant d'arriver, n'arrivez pas pour être choqué quand vous allez entendre ce genre de prix là. Alors, mais par exemple, quand vous avez faim le matin, vous pouvez prendre votre petite assiette et aller acheter un vrai repas, du aïmolou, riz aux haricots ou du bon com. I mean, même à 6 h du matin, vous pouvez en trouver. J'ai localisé pas très loin de chez moi, Dakar, un coin où des mamans vendent du tchèp. C'est vraiment bon. Elles font la barquette comme ça à 600 francs ou même parfois à 1 000 francs, mais c'est très bon. Sauf qu'il y a aussi un truc que je voulais soulever. Le tchèp Jenna Dakar, chez les mamans, là, c'est comment? Tu cherches le poisson dans le riz, tu ne trouves pas. Tu trouves un petit bout de poisson comme ça là. Ça là, c'est bon, je ne comprends pas. Hein. Non, pardonnez, les Sénégalaises qui sont ici là, venez m'expliquer pourquoi. Est-ce que quand on achète du tchèp chez les mamans, on ne trouve qu'un petit morceau de poisson? Où est le poisson? Like, where is the fish? Ouais. Bref, je disais que j'ai localisé à côté de chez moi des mamans qui vendent du tchèp. Donc du coup, un jour à 11 h 30 comme ça, je me disais même que ah, il se fait tard. Parce que à Lomé, si vous voulez manger à Imolo dans les bons coins, 11 h 30 là, vous arrivez, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus. À 11 h 30, je prends mon assiette comme ça, je m'en vais, j'arrive. Elle me regarde. Celle-là, elle sort d'où? Je dis, mais tchèp, je vais acheter du tchèp. Elle me dit, non, il n'y a pas, il n'y a pas. 14 h, hein, revenir, 14 h. Je dis, ah, 14 h, ok, d'accord, j'ai compris. Généralement, alors là, vous trouverez quand même des mamans qui vont du pain au bord de la route avec des sandwichs et tout ça. Mais un repas consistant comme ça avant 14 h, à part dans les vrais restos, je pense qu'à Dakar, vous ne pouvez pas en trouver. Et ce n'est pas tout. Hein? Les chevaux, on va en parler. Si vous arrivez à Dakar et que vous voyez des chevaux partout, ne vous en faites pas. Ce n'est pas la porte d'une écurie qu'on a laissée ouverte. Ici, les chevaux servent de moyen de transport de certaines marchandises. Vous n'avez plus à aller au zoo
pour voir des chevaux à volonté, quoi. Il y en a dans toutes les rues. Donc voilà, c'est un peu ma petite expérience à moi. En attendant que vous alliez vous-même découvrir le pays, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Likez, commentez et partagez. Ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!